Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous parler de l'éveil du Yang, cheminant le second, et son engagement vis-à-vis de lui-même, et ensuite de son autre, vers son autre. Alors, le réveil, il va arriver au moment du détachement du Yin. Donc, je vous en ai parlé dans la précédente capsule. Je vous invite à aller la voir avant, voilà, parce que je pense que ça va vous aider. Et en fait, au moment du détachement du yin, le yin va reprendre toute son énergie et ça va créer une espèce de d'ouverture de sas. Alors un petit peu comme une dépressurisation chez le yang, comme un très grand vide, un très grand manque. Et ça va produire ben, son éveil. Donc à ce moment-là, il peut venir énergétiquement rechercher son yin. Il en a besoin pour bah, déjà se rassurer, pour après développer son yin. Voilà. Et pour sentir l'énergie de l'autre, pour s'adapter énergétiquement. Il y a une espèce d'adaptation, ou en tout cas de remise à niveau des énergies. Voilà. Avant son éveil, il faut savoir que le yang avait... Alors, au moment où le yin chemine, le yang est dans une puissance égotique très forte. Donc, soit par rapport à des addictions, soit par rapport à d'autres personnes. Donc, ça peut être une autre femme, voilà, ou un autre homme. Voilà, ou aussi la famille, des convictions très fortes, des valeurs très fortes, donc des... Bah en fait, ça pouvait pas marcher entre nous parce qu'il y a ça, 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 et ça va les convaincre, ou égotiquement, ils vont être du coup dans cette force. Vis-à-vis de la famille ou des amis ou des collègues, voilà, qui vont le rassurer en disant qu'il a bien fait, en disant mais regarde ton autre, parce que le yin il va porter le mauvais rôle, je vous l'ai déjà dit. Et tout ça, ça va créer ouais, une force égotique, une puissance égotique. Donc là, à ce moment-là, tout s'effondre. Ça fait un peu comme un ballon de baudruche, vous voyez, on l'a gonflé, 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 et d'un coup ça pète. Donc là, ça produit l'éveil. L'éveil chez lui. Alors, comment dire? C'est violent et doux à la fois. Alors, j'ai essayé de m'expliquer parce que c'est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est comme une fracture nette, mais à ce moment-là, le yin, il a tel, le yin, le yang, pardon, le yang cheminant le second, il a tellement une structure forte que ça le déstabilise, mais pas trop. C'est-à-dire que à ce moment-là, il peut plus se mentir. Il sait que voilà, vous êtes son hôte, la femme ou l'homme de sa vie. Mais il y a un côté de comment je vais faire? Il faut que je change tout. Ah ouais, il faut que je remette mes principes en cause, mes valeurs en cause. En cause, ouais, vous m'avez comprise. ma vie, les personnes avec qui je suis, ma manière de voir le monde. Tous mes comportements égotiques, et ça va me prendre du temps et j'en ai pas spécialement envie. Donc là, donc c'est assez brutal parce que ça va lui donner l'effet de d'être sous la lumière, de vraiment d'un coup avoir une très grande ouverture de conscience, de comprendre en fait. Mais la difficulté est telle que le yang est dans une position d'immobilisme. Voilà. Après, sa polarité complémentaire, donc la polarité yin qui a cheminé la première, elle va de plus en plus se détacher. Donc là, la polarité yang va de plus en plus ressentir une espèce de vide abyssal. Une espèce de manque très fort, de peur d'abandon très fort. Il va avoir des très très grandes prises de conscience. Vraiment, ça va pas arrêter. Un peu comme des ampoules qui s'allument. Voilà.
Où il va comprendre ses comportements égotiques, où il va comprendre ses fonctionnements, ses blessures, où il va comprendre les sacrifices qu'il a fait envers les autres, où il va comprendre. Alors j'allais dire qu'il aime son yin, mais ça il le savait avant. Et il va comprendre en fait la place qu'il a aussi dans le monde et la place de son autre. Là, il va avoir vraiment beaucoup, beaucoup de réactions. C'est-à-dire que il va culpabiliser, ou il va, en tout cas, il va se sentir très, très, très mal en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment cette envie, mais de se claquer dans le mur, se claquer la tête dans le mur, mais de se secouer en fait, de vraiment, j'ai merdé quoi. J'ai blessé la personne qui m'aimait le plus, qui m'a jamais autant donné d'amour, qui m'a jamais autant respecté, qui m'a jamais autant considéré comme j'étais, pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Il y a vraiment un côté de regret en fait. Voilà. Il peut avoir beaucoup de colère aussi, de la colère envers soi, de la colère envers les autres aussi, de se dire mais merde, genre vraiment, ouais, un côté révolté. Donc là, c'est plutôt sain si c'est bien géré, c'est-à-dire que si c'est de la colère saine, si la polarité Yang arrive à prendre de la colère saine, ça va l'aider. D'ailleurs, à ce moment-là, la polarité Yin, elle va le sentir, elle va vraiment ressentir toutes les frustrations aussi, les colères, voilà, la tristesse, tout ça, la polarité yin à ce moment-là, elle va le sentir. Et ce qui va aider le yang à l'évacuer, c'est quand la polarité yin, elle le sent et dire, ok, ça ne m'appartient pas. Donc la polarité yang va réussir plus facilement à se détacher de ces émotions-là. Puisque la yin dit, ben non, en fait, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Je sais que t'es mal. Je t'envoie vraiment plein d'amour, vas-y. Aie confiance en toi, tu vas y arriver, ça va bien se passer, prends le temps qu'il te faut, je t'aime, je suis là pour toi. Vraiment. Et c'est là qu'en fait la polarité yin, plus elle est dans le bien-être et dans la joie, plus ça aide le yang en fait. Parce que c'est comme une vase communicant où en fait, vous devenez polarité yin, le soleil de votre yang. On va dire ça comme ça. Et du coup, donc il peut avoir de la tristesse aussi, beaucoup de tristesse liée à l'abandon. Bah alors là, les yang, ils peuvent même se réveiller dans la nuit en pleurs. Bah, vraiment c'est très lourd. De la frustration. Bah ouais, de la frustration. Alors, ils peuvent aussi avoir de l'espoir. Ça va arriver un peu plus tard, où se dire, mais en fait, faut que je me secoue. Faut que je me réveille. Là, faut que je passe à l'action. Ils vont sentir, ouais, aussi leur guidance. Ils vont sentir que là, ils sont mais vraiment aidés de la source. Et c'est pour ça que la polarité yin, elle peut vraiment se sentir en retrait, voire en fuite. Parce que le lien, d'un coup, va passer à l'autre. Il y a un passage de flambeau, de tiens, maintenant c'est toi qui portes le bébé, entre guillemets. Là, oui, le message qu'on m'a donné aussi, c'est que l'avancée du yang dépend du détachement du yin. Plus le yin il est dans le détachement, vraiment dans le bien-être et dans la confiance en soi et en l'autre, dans cette avancée dans la matière, plus le yang il va pouvoir avancer. C'est-à-dire que plus le yin acte dans la matière, plus le yang va acter dans son émotionnel, va acter dans les prises de conscience, dans j'arrête mes conneries. Il y a aussi un acte dans la matière, du coup, forcément. Les deux sont liés. Alors là, ça va dépendre. Généralement, quand c'est les polarités yang éveillées les premières et que les polarités yin s'éveillent les seconds, les yin reviennent très vite. Ils sont un petit peu poussés par leur âme et ils reviennent. Alors que pour les polarités yang éveillées les seconds, généralement, non. Il va avoir ce côté de je peux pas me foirer.
Donc si je reviens avec mon ego, si je reviens car rien qu'à changer, si je reviens toujours avec les mêmes fonctionnements, ma yin, elle va me défoncer. Et j'ai pas envie d'entendre ce qu'elle a à me dire. Voilà. Après, donc ça se fait un peu en même temps. Physiquement, il peut avoir des conflits avec l'entourage pour casser justement ces schémas égotiques. Il peut alors. Il peut y avoir des très grandes douleurs, des pertes d'appétit, des pertes de sommeil, des compréhensions, mais à plus endormir la nuit, des cauchemars très forts, des réveils brutaux où les yang ils peuvent se mettre vraiment mais à pleurer, à être perdu, vraiment à dire mais qu'est-ce que je fous là, mais à avoir une perte de sens dans leur vie très fort. De, en fait, tout ce que je croyais, toutes mes convictions, toutes les barrières que je me suis mis pour me protéger, tout ça, ça s'effondre. Voilà, donc il peut avoir. Ça va pas être de la panique. La panique, c'est généralement lié au yin. Mais ça va être vraiment de la perte de contrôle, en fait. Je perds le contrôle. Voilà. Et ça peut donner des réflexes de survie, un peu d'immobilisme et de frustration aussi. Donc là, la source, elle le pousse, hein. Elle le pousse au cul, mais bien comme il faut. Alors, il peut aussi avoir, je vais vous le dire, mais je vais vous expliquer, n'ayez pas peur. Il peut aussi avoir des attaques de l'ombre vis-à-vis de l'autre, sur votre autre. Et ça, moi, je l'ai compris, et je me suis sentie très mal étant polarité yin, en me disant, mais c'est à moi de l'aider, c'est à moi d'épurer, surtout le côté énergétique. Et on m'a dit non, 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 ne le fais pas, parce que en gros, c'est du théâtre. Et du coup, je leur ai demandé, j'ai fait ok, expliquez-moi. Et ils m'ont dit, si lui ne sait pas se défendre énergétiquement, quand vous serez à deux, toi, tu pourras pas réussir à défendre le duo, en fait, tout seul. Il faut que lui aussi arrive à le faire. Et donc, en gros, c'est des attaques qui sont permises. Donc, ouais, il va avoir des attaques énergétiques. Voilà. Ça m'a fait assez. Ça m'a fait culpabiliser en fait, à ce moment-là. Mais c'est voulu, voilà, c'est accepté par la source, on va dire, pour faire travailler les yang énergétiquement, encore une fois. Après. Ils peuvent avoir des épurations, donc des fortes jarrées, par exemple, des fortes suées aussi. Vraiment, à ce moment-là, ils vont se sentir mal. Hein. Mais le pire, je pense, c'est la perte de contrôle avec les faux principes, comme si tout devenait faux, en fait, autour d'eux. Il y a vraiment un côté d'être blasé, presque écœuré, de vraiment. De je me suis menti comme ça, je. De. Waouh, de vraiment. Un peu de révolte en fait, de waouh, de qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont le comprendre. Hein. On n'oublie pas que voilà, c'est des polarités yang, ils ont un intellect très 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 fort, donc ils vont très vite comprendre. Hein. Ils sont pas bêtes, hein, voilà. Après, le yin il va rentrer dans un détachement, je disais sentimental, où il va vraiment plus rien ressentir, et ça permet au yang. Donc de travailler ses peurs. Ça permet de protéger le duo aussi parce que là le yang il est vraiment pas bien, on va dire. Ça permet aussi à lui de prendre sa place puisque le yin il recule en fait, on va dire ça entre guillemets. En fait le yin a la sensation de reculer alors qu'en fait il avance. Mais du coup ça permet au yang de prendre sa place d'abord énergétique et ensuite la prendre dans la matière. Donc là, il va pouvoir commencer à s'engager.
L'engagement, ça va commencer par soi. Ça veut dire qu'il va traiter tout ce qui est dysfonctionnel dans sa vie. Donc les principes, les croyances limitantes, l'entourage qui peut être limitant, les addictions qui sont limitantes. Il y a vraiment un... là, à ce moment-là, le yang, il peut se dire, mais moi, j'ai vraiment envie de revenir clean, entre guillemets, parfait. J'ai envie que mon yin soit fier de moi. J'ai envie d'être fier de moi. J'ai envie de me réaliser pour ce que je suis. J'ai plus envie de me mentir. Je choisis l'essentiel, ce qui est bon pour moi aussi. Voilà, donc s'il y a, je sais pas, imaginons du tabagisme, ça dégage. De l'alcoolisme, ça dégage. Une énergie tierce en étant une personne. Alors j'aime pas du tout appeler des personnes énergie tierce, je trouve que c'est un manque de respect. Mais par exemple, un entourage familial qui est contrôlant. Un yang qui pourra se positionner en disant hey, là tes peurs tu les gardes en fait, basta. Il va pouvoir se mettre à défendre son yin extrêmement fort. Alors là, il va avoir des. En fait, c'est lui qui va commencer à défendre le lien. Donc ça passe aussi par défendre son yin et se défendre soi, défendre bah, son âme en fait. Donc voilà, il va vraiment s'engager envers lui. Et avec l'espoir de se dire, mais voilà, si je fais ça, ben mon yin il pourra pas me dire non. Là, à ce moment-là, le yang il commence à devenir, j'allais dire obsédé, mais je sais pas si c'est le bon terme. J'arrive pas à en trouver d'autres, donc on va dire obsédé par son yin. Le yang, il pense au yin, mais tout le temps, c'est obsessionnel, c'est là quand il se réveille, mais il y a plus le choix en fait, non. Genre, il va entendre aussi les pensées du yin, il va commencer à capter beaucoup en télépathie, il va pouvoir se protéger énergétiquement, en fait, il va comprendre, il va reprendre la polarité yin qui lui manquait, il va acquérir son yin, tout simplement. Et ce qui va pouvoir lui permettre d'acter des changements aussi dans la matière. Donc oui, là, à ce moment-là, bah, il vit avec l'espoir, en fait. L'espoir de retrouver son yin. L'espoir qu'il soit pas trop tard aussi. Voilà, le yang, il a pas mal... Le temps joue par rapport à lui, que le yin un peu moins. L'espoir que bah, il a pas trop merdé, l'espoir qu'il va pouvoir être pardonné, parce qu'à ce moment-là, il y a du pardon des deux côtés, très fort, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, c'est pas une étape super évidente. Puis il y a des travaux de peur en même temps, en fait tout se fait un peu en même temps pour les yang, hein. Éveiller les seconds. Il y a les prises de conscience, les travails sur les peurs, les actes dans la matière, l'espoir, le machin. Tout se travaille en même temps, en fait. C'est vraiment. C'est pour ça que ça va plus vite aussi. Ça va plus vite parce que le yin l'a déjà fait. Et du coup, énergétiquement, vraiment, ça le tend. C'est vraiment comme si le yin, il était en haut, entre guillemets. Et c'est comme un élastique, comme une espèce de poulie où voilà, ça se fait monter, en fait. Non pas que c'est pas plus dur, hein, bien au contraire, ce que je vous ai dit tout ça en même temps, c'est un peu chaud. Il peut aussi avoir peur de revoir l'autre, de se dire mais si je le revois, elle va me démonter, ou il. De si j'arrive pas, alors j'allais dire pas être à la hauteur, ça c'est plutôt les yin, mais... Il y a une question qui va revenir de est-ce que c'est pas trop tard en fait? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je fais pas ça pour rien? Est-ce que je suis pas en train de faire tous les changements? Est-ce que je me tire pas une balle dans le pied?
Je suis en train de me mettre mon entourage à dos, je suis tout seul, je vis mon abandon, l'autre il est plus là, je le ressens plus énergétiquement, je l'appelle, il n'y a plus personne. Je me sens hyper seule, je me sens perdue, je me sens vide, je me sens. Est-ce que vraiment il n'y a pas. Est-ce que j'ai pas tout perdu en fait? Ça va être un questionnement très fort. Mais à la fois, c'est ce questionnement-là qui va lui permettre d'avancer. Et d'où le détachement du yin qui est hyper important. Donc voilà, il y a une grande phase de pardon. Et après, ben, il y a les retrouvailles qui sont actées. On va dire ça comme ça. Ces retrouvailles-là, c'est pas d'un coup je t'aime mon amour, reviens, machin. Non, non, c'est pas ça. Et c'est vraiment d'abord ça va être énergétique, des reprises de contact énergétiques. Et après, ça va être des reprises de contact, on va dire sporadiques dans la matière, de comment tu vas, qu'est-ce que tu fais. C'est quoi ta vie maintenant sans moi en fait? Le yang, il pourra se demander, est-ce que t'es pas mieux sans moi aussi? Voilà, des reprises de contact un petit peu comme ça. Un petit peu aussi par hasard. Voilà, la vie, elle va vous. Voilà. Et là, bon, il y a des défis qui se retravaillent en duo, on va dire. Mais voilà, c'est comme ça que le yang il peut s'engager. Donc, ça passe vraiment par le détachement du yin. Et par des questionnements très forts chez le yang, vraiment des très grandes ouvertures de conscience, des prises de conscience, des énergies très fortes. Voilà. C'est pas une phase facile pour eux, quoi. C'est, ouais. Voilà, quoi. Ok, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite un grand courage. D'ailleurs, ça, c'est assez particulier, c'est-à-dire que quand le yin, il va se détacher émotionnellement, c'est un état vibratoire, je vous l'ai dit, c'est pas mental. Voilà, c'est pas un choix mentalisé. Pour le yin, il va pas avoir la sensation de fuir l'autre, il va juste dire bah, je me choisis moi en fait. Alors que son yang, il va vivre ça comme de l'abandon. Voilà. Bah pour le faire travailler, tout simplement. Ok. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite de prendre soin de vous aussi. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo.